Les bibliothèques sont les partenaires incontournables de Lire et faire lire. Ces 16 000 points de lecture publique sont des lieux de vie, gratuits, ouverts à tous. Ils constituent, pour Lire et faire lire, des lieux ressources essentiels, par le conseil, le prêt de livres et pour la formation des bénévoles par les bibliothécaires professionnels. Nous partageons l'essentiel avec les bibliothécaires en œuvrant ensemble pour développer le goût du livre et de la lecture. Les bibliothèques, lieu de construction de soi, visent à réduire les inégalités sociales et culturelles et à faire des enfants des citoyens libres et éclairés. 30% des enfants ont fréquenté une bibliothèque avant 11 ans. Pour ces enfants, lire et faire lire peut participer à la médiation du livre dans le cadre des projets des bibliothèques et en complément de l'action des bibliothécaires. En 2015, avec la direction du livre et de la lecture du ministère de la Culture et l'ABF, l'Association des bibliothécaires de France, nous avons conçu une charte du partenariat entre Lire et Faire lire et les bibliothèques. Plus que jamais, il importe que les différents acteurs du livre sur un même territoire et en particulier un territoire lecture travaillent ensemble à des projets communs. La nuit de la lecture, la remise des cartes de jeunes lecteurs sont de belles opportunités. Alors, je voulais juste commencer cette intervention en rappelant l'importance de la place des bibliothèques sur le territoire français. On dénombre à peu près 16 000 lieux d'accès aux livres à la lecture en France, qu'on va distinguer entre points d'accès aux livres et bibliothèques, je reviendrai là-dessus dans un instant, qui forment de par leur importance le premier lieu culturel de proximité. Particulièrement fréquenté par les enfants et les jeunes. On est sur des établissements qui ont l'habitude de travailler avec des acteurs associatifs, en particulier lorsqu'il s'agit justement de, de s'adresser à des jeunes publics, de s'adresser que ce soit à des tout petits ou à des adolescents ou à des jeunes adultes. On est également sur des établissements qui se caractérisent par une très très grande diversité de types de ressources, puisque aujourd'hui les bibliothèques ont certes d'importantes collections de livres, notamment de littérature de jeunesse mais également d'importantes collections dans tout ce qui relève du domaine davantage de multimédia de collections de musique de collections de films de collections de jeux vidéo également de plus en plus ce sont ce qu'on appelle des espaces troisième lieu c'est à dire de moins en moins des espaces qui sont uniquement des espaces de ressources mais des lieux euh, des lieux de vie des lieux sociaux des lieux de mixité culturelle des lieux de rencontres des lieux d'accueil de manière générale de l'ensemble des publics des territoires. Donc comme je l'ai mentionné, on distingue deux principaux types de bibliothèques sur le territoire, ce qu'on appelle les points d'accès aux livres et ce qu'on appelle, à proprement parler, les bibliothèques. Les points d'accès aux livres, ce sont souvent des tout petits espaces euh, gérés par des bénévoles la plupart du temps avec des espaces très réduits, des petites collections d'ouvrages et des amplitudes horaires très réduites. Les établissements types avec lesquels les bénévoles seront plutôt invités à travailler, ce sera plutôt les bibliothèques municipales et les bibliothèques intercommunales, donc qui dépendent des collectivités territoriales et qui disposent de collections d'espaces beaucoup plus importants et beaucoup plus à même justement d'accueillir des activités, de pouvoir prêter des ouvrages aux bénévoles de lire et faire et lire ou de participer, le cas échéant, à la formation des bénévoles. On compte également dans tous les départements français, à l'exception de la Petite Couronne et à l'exception du département des Yvelines, des bibliothèques départementales qui ont un rôle un peu différent des bibliothèques municipales et intercommunales classiques. À part quelques exceptions, ce sont des bibliothèques qui sont rarement ouvertes au grand public, mais qui sont ici dans un rôle de support en quelque sorte des établissements des départements et en particulier de support des points d'accès aux livres à la lecture. Les bibliothèques départementales, typiquement, euh, vont produire des ressources en ligne qui vont servir à l'ensemble des bibliothèques du territoire, vont prêter des documents, des livres, des jeux vidéo, des tablettes, vont mettre en place les fameux bibliobus et vont également mettre en place des offres de formation à destination des professionnels du livre et de la lecture qui sont présents dans les départements. On dénombre par ailleurs plusieurs bibliothèques départementales qui accueillent les bénévoles de les à lire dans leur formation sur certaines thématiques en particulier. Je pense à toutes les bibliothèques départementales qui travaillent sur le livre et la petite enfance. Il n'est pas rare de voir des bénévoles participer à certaines formations qui sont proposées par ces établissements. Les bibliothèques départementales, de par leur échelon administratif, sont également bien sûr des interlocuteurs indispensables pour travailler avec les collèges et avec les publics de collégiens, puisqu'aujourd'hui, Environ 60% des bibliothèques départementales ont des partenariats avec des collèges et mettent en place des actions autour du livre et de la lecture avec ces établissements. On a enfin deux établissements qui dépendent directement de la tutelle du ministère de la Culture, la Bibliothèque publique d'information ou BPI qui se trouve à Beaubourg et la Bibliothèque nationale de France qui comporte plusieurs sites à Paris mais également sur l'ensemble du territoire français. Au sein de la Bibliothèque nationale de France, le CNLJ, le Centre national de la littérature pour la jeunesse, est le département de la bibliothèque justement qui est spécialisé dans tout ce qui est collection jeunesse, qui comporte d'importantes collections de livres de jeunesse, y compris d'importantes collections patrimoniales, qui publie de nombreuses ressources en ligne, qui dispose de son offre de formation à destination des bibliothécaires qui vont travailler avec les jeunes publics et des professionnels du livre et de la lecture de manière générale, et enfin qui édite une ressource importante qui est la revue des livres pour enfants. Donc la revue des livres pour enfants, c'est une ressource qui tous les trois mois est thématisée et va aborder une thématique spécifique en rencontrant des auteurs, en rencontrant des médiateurs pour les interroger justement sur un sujet. C'est également une revue où tous les trois mois, vous retrouverez des critiques et des avis sur toute la production jeunesse contemporaine. Tout d'abord, comme je l'ai mentionné, la bibliothèque c'est un lieu de ressources. C'est un lieu où vous pouvez emprunter des ouvrages de jeunesse, des romans, pour justement les lectures que vous organisez avec des jeunes publics. A ce titre, pas mal d'établissements proposent à leurs lecteurs des cartes de grands lecteurs ou des cartes d'emprunt de ce type qui permettent d'emprunter à des coûts réduits un volume important d'ouvrages pour justement mener à bien vos animations. La bibliothèque, c'est également un lieu très fréquenté par les jeunes publics et où il vous est possible de mener à bien vos propres actions de lecture en échangeant avec les bibliothécaires pour construire des projets communs à ce moment-là. C'est également un lieu où il vous est possible de vous former et pas mal d'établissements proposent des formations en interne ou à destination de leurs partenaires à l'extérieur autour du livre et autour de la lecture. Un document sur lequel vous pouvez vous appuyer est la charte de partenariat entre Lire et Faire Lire et les bibliothèques qui a été réalisée en 2016 par l'association Lire et faire à lire et par la commission jeunesse de l'association des bibliothécaires de France. Cette charte offre un document qui présente les rôles respectifs des bibliothécaires et des bénévoles de Lire et faire à lire dans le cadre d'un partenariat qui serait justement construit entre ces deux personnes. Cette charte est disponible sur le site de Lire et faire lire et sur le site de l'association des bibliothécaires de France. Il y a une relation assez forte entre les bibliothécaires et les bénévoles, parce que tout au long de l'année, les bibliothécaires apportent un conseil aux bénévoles sur leur choix de livres, sur les thématiques qu'ils souhaitent aborder, mais aussi en fonction des enfants, des tranches d'âge des enfants auprès desquels ils lisent. Le partenariat avec les bibliothèques est vraiment important tout au long de l'année au niveau du choix des, euh, des conseils de livres, mais aussi sur l'animation de euh, coins lecture lors d'événements, notamment au printemps du livre euh, de Grenoble où des bénévoles animent un coin euh, lecture euh, où ils lisent des livres des auteurs qui sont invités euh, pendant le printemps du livre. Mais c'est aussi le cas à Livre à vous, euh, à Voiron et à tout événement, en fait, que les bibliothécaires peuvent organiser où il y a l'espace d'animer un coin lecture pour les enfants. On a une particularité en Isère, on a un certain nombre de relais pour faire le lien entre les bénévoles et euh, les euh, structures. Et en Isère, on a deux bibliothécaires qui sont relais, qui font le lien entre les structures de la commune. Et euh, les bénévoles, mais aussi euh, apporte un, un apport supplémentaire de conseils, de temps de réunion, de euh, temps de présentation d'ouvrages, qui est le cas dans plein d'autres bibliothèques. Mais là, il y a vraiment un temps spécialement dédié à ce groupe euh, de lecteurs euh, qu'ils animent. Les bibliothèques accueillent nos formations, euh, celles de Grenoble, mais aussi euh, dans tout le département. Et en contrepartie, on ouvre nos formations aux bibliothécaires. On a deux places qui sont réservées aux bibliothécaires du. Euh, du réseau, Ce qui permet de créer des liens un peu différents entre le bibliothécaire et euh, les lecteurs de Lire et Faire Lire. Puis surtout, ça permet aussi au bibliothécaire de connaître davantage euh, Lire et Faire Lire, le rôle des lecteurs et comment sont organisées les séances de lecture. Je lis en bibliothèque à des enfants qui viennent de classe, c'est-à-dire le contrat local d'accompagnement scolaire. Et c'est en fin d'après-midi. C'est un groupe d'enfants qui est déjà constitué et auquel je lis. Mais bien souvent, il y a des enfants qui sont dans la bibliothèque et qui profitent de la lecture et qui reviennent, et qui reviennent, et qui reviennent. Alors les enfants, ils sont du même âge parce qu'ils sont d'une même classe. Actuellement, la CDCE1, j'ai quelques fois DCP, j'ai quelques fois DCM1. Mais c'est toujours le, le homogène comme âge. Alors dans le soin des livres, la bibliothécaire euh, m'aide, me propose des nouveautés, me les signale, me les réserve, comme ça j'ai déjà une partie du choix à faire. Ceci dit, euh, la bibliothèque a quelquefois des centres d'intérêt. C'est un thème qui est choisi par la bibliothèque. Euh, bon, cette année, ce sera autour des cinq sens. Donc il faudra trouver des albums qui correspondent au, à la vue, toucher, odorat, oui, alors le fait d'appartenir à Lire et Faire Lire fait qu'on a droit à une carte qui permet une durée et une quantité de livres plus importants, ce qui me permet d'en emporter aux autres endroits où je lis. Utiliser des livres de la bibliothèque, les enfants le remarquent. Ils voient que ça vient d'une bibliothèque. Ils me demandent d'où c'est. Et éventuellement, ils vont le rechercher à cette bibliothèque ou, ou ils vont à la bibliothèque. Euh, à ce sujet, je, je sais que... Il y a beaucoup d'enfants à qui je lis, qui viennent ensuite spontanément, qui reviennent plusieurs fois à la bibliothèque de façon personnelle, parce que c'est dans leur quartier, parce que c'est dans leur proximité, et qu'ils y ont pris goût. Le rôle du bénévole et de la bibliothécaire sont complémentaires. Nous, on apporte une autre vision de la lecture, parce que ce n'est pas notre profession, et que pour nous, c'est une autre lecture, c'est autre chose. Le métier de bibliothécaire est un métier vraiment très riche euh, parce que nous nous occupons d'une part des documents et d'autre part du public puisqu'il s'agit de mettre en relation des documents et un public. Alors en termes de littérature jeunesse, le, le bibliothécaire a plusieurs outils pour euh, pouvoir justement acheter euh, en connaissance de cause les, les livres qu'il va proposer à ses lecteurs. Euh, il y a des revues professionnelles que, que, qui sont à disposition. Euh, nous faisons des commandes aussi. Nous nous déplaçons en librairie euh, pour faire des achats en, en ayant vu les documents. Nous participons également à des comités de lecture qui nourrissent, euh, qui nourrissent nos, nos connaissances et permettent un échange vraiment aussi entre professionnels. Sachant que bien sûr les, les bibliothécaires jeunesse doivent... Euh, acheter et proposer des documents pour les enfants de la naissance à l'adolescence. C'est parce que nous connaissons notre public que nous pouvons adapter nos fonds et nos collections en fonction de la diversité des populations qui sont sur notre territoire. Alors, les médiathèques, évidemment, ne, ne travaillent pas toutes seules en ce qui concerne la médiation euh, du, du livre et de tous les autres supports. Elles travaillent avec les partenaires locaux. Euh, en ce qui concerne la, les sections jeunesse, eh bien, elles travaillent évidemment, je dirais, avec l'éducation nationale, avec les structures petite enfance qui sont sur la ville. Elle travaille également avec les associations qui sont souvent très actives et des partenaires très précieux. Le rôle du, des bibliothécaires par rapport à la médiation du livre, c'est évidemment en premier lieu le conseil. Donc si un enfant ou un adulte vient nous voir et c'est fort conseillé, euh, parce qu'il souhaite euh, lire euh, un livre sur un sur, un, sur une thématique particulière euh, ou euh, un genre particulier, eh bien euh, nous cherchons avec lui euh, dans, dans les rayons le livre qui va pouvoir correspondre à ce qu'il souhaite. Donc nous pouvons euh, préparer, euh, des mâles thématiques également. Ça arrive avec les enseignants, mais ça peut arriver aussi avec euh, des, des, des adultes qui vont travailler sur un thème avec des enfants. Donc euh, on fait une sélection et puis on regarde ensemble ce qui correspond le mieux. Les bibliothécaires jeunesse euh, souvent ont une connaissance vraiment euh, spécifique de la littérature jeunesse. Elles ont été euh, formées euh, euh, à, à ça et donc ont une connaissance de, de leur collection et de l'édition. Euh, qui est quand même assez importante. Elles peuvent donc être, euh, par ce biais-là, euh, formateurs, formatrices. Alors, dans les, dans les médiathèques, euh, on le disait euh, tout à l'heure, euh, nous, nous proposons des, des animations, des actions autour, euh, autour des, des, des ouvrages que nous proposons. Et euh, la. L'animation la plus traditionnelle en bibliothèque, c'est l'heure du conte. Alors à Chevilly-la-Rue, nous proposons un temps des histoires le mercredi matin qui s'adresse aux tout-petits euh, et à leurs euh, parents ou leurs assistantes maternelles ou leurs papys et leurs mamies. Voilà, bien sûr, dans d'autres dans, dans lieux, il y a des, des heures du conte l'après-midi ou... Où les bibliothécaires proposent des lectures, alors via différents supports. Hein, ça peut être la lecture à partir du livre, la lecture à partir d'un kamishibai, la lecture euh, à partir de, de tablettes numériques ou encore le, le compte sans, sans l'appui du, du livre. En conclusion, euh, on peut euh, dire que le, le métier de bibliothécaire évolue. Les, les médiathécaires en fait, se, se, se détachent euh, des collections pour vraiment se consacrer au public, évidemment en proposant des collections, mais euh, en, en focalisant vraiment ses, ses actions sur, euh, sur le public. Qui est-il Comment le toucher Comment aller euh, vers lui et, euh, et donc beaucoup d'actions sont, sont faites en dehors des murs de la médiathèque, je le disais euh, avec euh, les écoles, les structures petite enfance, mais pas que. Aussi, dans, dans ce cadre d'animation euh, proposé à tous les publics, euh, il est tout à fait envisageable de, de travailler ensemble sur un projet commun, sachant que nous avons les mêmes objectifs, vous. Bénévoles de lire et faire lire, et nous, bibliothécaires, c'est de faire découvrir aux enfants le, le monde riche de la littérature jeunesse, de permettre à tous d'y avoir accès et de, de pouvoir créer des moments privilégiés avec un tout petit groupe d'enfants. N'hésitez pas à venir à la rencontre des bibliothécaires des, des villes où vous travaillez pour justement vous renseigner sur les possibilités d'emprunt de plus de livres plus longtemps, comment on peut travailler ensemble, quels projets on peut mettre en place ensemble sur le territoire, tout en restant bien sûr conscient que nous travaillons pour les enfants dans un même objectif et que nous pouvons tout à fait être complémentaires.